Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Simon Pierre Michel TV Show. Je dis à nous allons parler sur la conscience spirituelle et la connaissance spirituelle. Il y a une grande différence entre la conscience spirituelle et la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle, même Satan la possède dans son câblage. Mais la conscience spirituelle, il n'en a pas dans son cœur, Satan. Ça veut dire Simon Pierre Michel. Au cas de connaissance spirituelle, capi bel orateur qui gagne, quelle que soit votre religion. Au cas où canon de la connaissance. Mais soit fait ou pas gagne bon sens. Au cas gagne un cœur de fer. Ou même ou l'enfant de Lucifer. C'est mon papa ou maman, frère ou soeur ou cousin, petit cousin qui est dans la misère. Ou pas lever, mais ou pas allonger mes baillots. Oublier qui laisse l'oeil pendant ce temps. Ou même manger d'obé routi. Ou capable même vouloir prendre la femme de ton frère, spirituel ou sanguin. Ça c'est monde qui a connaissance spirituelle, mais il y a magasiné paroles, mais paroles pas traversé son palais. Parce que la Bible a dit que la parole de Dieu son couteau à double tranchant qui traverse moelle, os, etc. Il y a double tranchant, il y a la main lève, la main bas, il file. Mais si par on ne peut pas traverser, on est capable de faire des portes malheur. Mounsa, son monde qui est cupide, qui pague l'amour pour des autres, il pense à la tête seulement. Par cet homme qui a dit, ouais, frère, c'est ton grand frère, il fait un bon discours, il parle plusieurs langues, etc. Mounsa, dans 15 minutes, il a ramassé un million de dollars, tellement le Seigneur. Quand on dit pateur, c'est un monde qui, au pilon, avec connaissance, ils sont au canon de la connaissance, ils bluffent tout le monde. Mais au fond, ils n'ont pas un bon frère. Ok? Bon. Un bon frère, un bon pasteur, whatever, on l'est là. Même moi qui a la conscience spirituelle, ça veut dire quitter parole, bon Dieu, à travers elle. Ils sont mon gigon qui est humain, qui est quel homme, mais. Même des mouns, petits mouns, grands mouns, cheveux blancs, ils respectent tout le monde. S'ils sont madame mariée, ils connaissent les yeux qui ont gardé, ils ne peuvent pas coucher sous Maria. Depuis Maria prend soin, ils vont manger le balboué. Même si mon n'a fait ça que pas ça, ils ferment les pieds, ils étaient fidèles à son homme. Il était fidèle à Maril, ou bien Maria était fidèle à sa femme, parce que Moussa gagne la conscience spirituelle. Il connaissait le fond bas qui pas bon, il a deux grands yeux qui ont gardé, qui ont roté autour de lui-même. Il n'a pas qu'à faire n'importe bagaille pour le décevoir, bon Dieu, qui va la vie. Ça, c'est la conscience spirituelle. Il a quand même un grand goût, l'occupé papa la maman, il a bâti mon ange. Tout petit monde, c'est petit lit. Ça, c'est la conscience spirituelle. Il y a des gens qui viennent coller les âmes dans les oreilles pour coucher, ils disent mettre physique, je vais coucher sous ma marine. Ça, c'est la conscience spirituelle. Et quand même si nous mourons, il ne va pas finir, il ne va pas détruire. Ça, c'est la conscience spirituelle. Mais ces jours-ci, c'est rare de trouver quelqu'un ou quelqu'un qui en possède, qui a la conscience spirituelle. Ce n'est pas facile de trouver qu'il soit un homme ou une femme. Et les gens qui ont conscience spirituelle, ils ne peuvent jamais jouer aux gens qui
pas besoin de jouer un monde qui est mutuel, qui a même conscience ensemble avec lui. Hélas, l'immoralité allait. L'immoralité allait. On va écouter la bonne ça. C'est des ronds qui est osier. En tout cas, nous sommes femmes, ensemble, pour nous être capables. Et c'est posséder une petite grâce, la conscience spirituelle, autocratique ou biblique, j'en veux. Parce que sans la conscience spirituelle, nous ne pouvons pas faire un bon chrétien. C'est pour que tes paroles, bon Dieu, traversent, pour vous métamorphoser, pour vous nous l'autre monde. J'espère une passion, bon dimanche. À la prochaine. C'était Simon Pierre-Michel TV Show.